Salut tout le monde, ici c'est Yoko pour une nouvelle vidéo, un spécial collection, donc la suite des spéciales 250 abonnés, hein. J'avais dit qu'il y en aurait un paquet. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, petit zoom manuel, c'est moi qui avance, spécial PlayStation, donc c'est la fameuse sacoche, non, pas très bien, hein, désolé, bon elle est toute poussiéreuse, hein, désolé, fameuse sacoche, de la PlayStation. La PlayStation, je vous la montre pas, elle est branchée, tout ça, enfin c'est le foutoir. Elle est ici quelque part. Ah, y a plein de trucs, hein. Hop. Ouais, j'aime bien, ça fait vidéo à l'arrache. Donc, pendant que je filme le logo, aujourd'hui spécial PlayStation, donc je vais vous montrer, eh bien, une terrachie de jeux. Alors c'est parti. Dragon Ball Final Bout, un jeu de combat en 3D, donc sur Dragon Ball. Comme vous vous en doutez, j'aime pas du tout, moi. Je le trouve moche, mais y a beaucoup de fans. Il y a beaucoup, beaucoup de fans. On voit mon visage presque. Hop, on le voit plus. bref, moi j'aime pas beaucoup. Bon, je vais me grouiller parce que sinon je vais me retrouver baisé. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, les fameux CD de démo qui étaient fournis avec la console. Alors attendez. Oh, c'est joli. Mais là, je vais faire gaffe parce que sinon, ça fait miroir. Vous avez de la chance, je suis pas à poil quand je me filme. bon, on voit que dalle en fait. Bref, c'est dommage, donc c'est des CD démo, je sais plus ce qu'il y a dessus, il faudrait que je le mette, un de ces 4. Bon là c'est le même, mais pour la PS2, et là c'était avec le PlayStation 1 Magazine, il y avait 5 démos jouables. Ace Combat 3, Dave Mira, BMX, Max Remix, Formula 1, Lego Island et Toy Story Racer, il y avait des vidéos de jeux, enfin bref, c'était cool, on était contents, on kiffait notre race. Alors... Gratis, démo CD, chacha, mais non, en fait, c'est une fausse boîte, parce qu'à l'intérieur, il y a Tony Hawk Skateboarding, un jeu de skate, hein, le tout premier du nom, le tout premier Tony Hawk, plutôt sympa, même si je vais faire des envieux. Earth of Darkness, lunettes 3D offertes, dont le mytho, je ne l'ai pas, enfin, je ne crois pas, non, je ne l'ai pas, j'ai l'impression qu'il y a, hop. Je ne vais pas dire grand chose de jeu, je n'y ai jamais joué, je l'ai acheté parce qu'il était cherché, qu'il était nickel propre, nickel chrome propre, tout ça, mais j'y ai jamais joué, et elle pouvait me détester. Cool Borders 2, c'était la suite du 1, ouais, well done Captain Obvious, je sais, un jeu de snowboard, quoi, j'ai jamais été très fan, mais il coûtait 2€ je crois, donc j'avoue que pour ce prix là, je me suis dit bon, why not. Alors... Ah ben, explosion atomique de deux boîtes en live. Bon, je filme pas par ici parce qu'il fait super noir en fait. Allez, pourquoi ça arrive toujours quand je m'enregistre? Ce genre de conneries. Si encore j'avais la mémoire à l'infini, je m'en moquerais. Hop, Saga Frontière 2. Hop, ça va mieux comme ça. Un jeu assez particulier, je l'ai jamais fini, il est vraiment spécial. Graphiquement, il est sublime, on dirait une espèce de peinture, c'est magnifique. Mais n'ayant pas joué au 1, j'ai peut-être pas tout saisi. Et le 1, par contre, il me semble qu'il était qu'en version US, donc je l'avais pas pris à l'époque parce que ben, ce n'est pas de PlayStation PC, c'est un jeu Squaresoft. Alors là, c'est un truc que je suis content d'avoir. Airgaze, jeu de combat avec les personnages de FF, donc... Inclus, il y avait Cloud, Tifa, Vincent, Sephiro, je ne sais plus qui.
Je suis en train de chercher à la vue, mais à la vue ils ont mis aucun personnage à part Cloud. Bah tant pis. Enfin, j'ai dû en oublier, mais il y avait pas mal de pertes. Il y avait quelques persos. Le jeu, je le trouvais tout pourri. Mais bon. Ape Escape. Mon tout premier jeu PlayStation. C'était pour mettre en avant leur fameuse DualShock là, avec les doubles joysticks. Ce jeu ne se jouait qu'avec les doubles joysticks. Donc, avec une manette simple, vous étiez baisé. Hein. Pur jeu. Il est génial, 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 très très bien foutu. Il est très grand, donc 3D réel comme ils mettent, mais c'est vrai que les mondes sont en 3D. Je comprends pas qu'on parle beaucoup de Mario 64 et pas de celui-là parce qu'il est terrible aussi. Bon, il a moins, les personnages ont moins d'interaction avec le décor qu'un Mario, mais il vaut le coup. Franchement, je vous le conseille. Parasite Eve 2, donc bah, comme pour Saga Frontières. J'ai le 2, pas le 1, parce que le 1 est en version US, et comme j'avais pas la console puissée, j'en voyais pas l'intérêt à l'époque, donc je l'avais jamais acheté. Il est terrible, il est moins bien que le 1, pareil, j'ai jamais joué au 1, lui je l'ai même pas fini. C'est une espèce de Resident Evil en mode RPG, quoi, c'est assez spécial. Alors, ça c'est pour Ouvre. Wild Arms, et oui, je l'ai, je suis bien content de l'avoir, il est terrible, RPG... énorme. Je sais plus si je l'ai fini ou pas, ça remonte à loin. Il était terrible, 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 terrible. Bien foutu. Bon, c'est assez spécial comme 3D, on voit pas, je peux pas zoomer malheureusement. Ça fait tout flou comme vous pouvez le voir. Les personnages sont en 3D, en SD, donc la SD la super déformée, un peu comme pas mal de RPG sur Super NES. Mais en 3D, donc ça rend pas très bien, je trouve. C'est dommage. Final Fantasy Tactics. Bah, le premier Final Fantasy Tactics sur PlayStation, je l'ai, je suis bien content. Bon, version US, malheureusement, il n'est pas sorti en France à l'époque. Il est terrible. La boîte est abîmée d'ailleurs. Ça fait partie des rares jeux US que j'ai, quoi, que j'avais acheté parce que bah, il n'existait que dans cette version. FF9, je ne le présente plus. C'est un FF, terrible, je l'aime beaucoup. Il fait partie de mes deux favoris sur la PlayStation, le 7 et le 9. Le 8 un peu moins. FF8. J'aime beaucoup moins. L'histoire cucul après ligne qu'il y a derrière me sort par les trous de nez en fait. Pourtant le jeu est terrible, l'histoire est mature, adulte, tout ce que vous voulez, je crache pas dessus. J'aime pas. Ouais, j'accroche moins, c'est comme ça, je peux pas accrocher à tout. Et lui, ça en fait partie. Navré pour les fans. Alors là, attention, le chef-d'œuvre. FF7. Je suis en train de le faire en let's play, donc si vous voulez me voir y jouer, ben c'est le moment. Je ne suis qu'à la 17ème partie au moment où je me filme. Voilà, venez me voir, je l'adore, c'est mon favori. Oui, je sais, c'est pas original pour un sou, mais je m'en fous. Alors là, je vais faire le troll. Une deuxième fois. Oui, ben désolé. Hein. Oups. Oui, une troisième fois. Bon, d'accord, j'exagère. En fait, le premier, mon frère m'a bousillé un CD. D'ailleurs, frérot, si tu me regardes, coucou, hein. Gros clin d'œil, toi-même, tu sais. Donc, j'ai dû racheter une deuxième fois. Voilà. Et après une troisième pour le LOLS. Parce que ça coûtait rien à l'époque de racheter un FF7. Maintenant, on sortait la carte de crédit. FF6, qui contenait la démo d'FF10. Ben, pur jeu, je n'y ai jamais joué sur les PlayStation 1. Les temps de chargement, ça me tue. C'est horrible, quoi. C'est de la PlayStation, c'est du CD, quoi. Donc c'est normal, mais je peux pas. Ça me rend dingue. Je préfère y jouer sur la console originale. Hop, on évite les reflets. C'est bien mieux. FF Anthology, donc qui comprenait FF4 et FF5, ben, pour les mêmes raisons que je viens de donner pour FF6, version PlayStation, j'y ai jamais joué quasiment. Pas sur cette console, en tout cas évidemment, sur Original, quoi, sur l'émulateur et sur Game Boy Advance aussi, je l'avais fini. Donc du coup, je n'ai pas pu voir les nouvelles cinématiques, mais bon. Ce sont de terribles jeux, mais comme si vous avez vu ma vidéo spéciale Super NES, vous le savez déjà. FF Origins, donc FF1 et FF2, mais version PlayStation. Les graphismes sont similaires, c'est juste les temps de chargement qui changent. Breath of Fire 3, il est terrible. Terrible, terrible, terrible. Je suis dégoûté, je ne sais même plus si j'ai encore ma save originale. Je l'adore, il est énorme,
Il y a tellement de choses à faire, il est magnifique, graphiquement il est magnifique. L'histoire, bon, je la trouve un peu bateau, mais je me rappelle plus bien, donc je vais pas trop critiquer l'histoire. Mais il est terrible, je me suis éclaté à retrouver toutes les formes de dragon de Ryu, enfin vraiment j'adore. Je le conseille à tout le monde, tellement il est terrible. Breath of Fire 4, même chose, il est terrible, mais je l'ai moins joué, je l'ai pas terminé parce qu'en fait je ne l'ai qu'en version. Allez, c'est la version française, mais tous les dialogues du jeu sont en anglais. Ah ouais, du coup ça aide pas quoi. À l'époque, je ne parlais pas du tout anglais. On va pas dire que je suis bilingue actuellement, mais disons je m'en sors mieux quoi. Et du coup, j'ai jamais su m'y plonger quoi. Actuellement, j'ai trouvé une ROM. Une ISO traduite, donc je vais le faire histoire de voir ce que ça donne. Ça fait déjà une belle pile. Attention, Chrono Cross, pur jeu, version évidemment qui n'était sorti qu'en version US. Du coup, ils m'ont forcé à le prendre. Je n'ai jamais joué. Oui, je sais, honte à moi, je n'ai jamais joué pour les mêmes raisons que Breath of Fire 4. Je ne l'avais à l'époque qu'en US et je parlais pas anglais, donc difficile de plonger dans un jeu. Je sais pas si c'est la suite exactement de Chrono Trigger, c'est dans le même monde si j'ai bien compris, mais je pense pas que ce soit réellement une suite. Mais vous m'en direz plus, je ne suis pas très renseigné. Digimon World. Comment dire? Ce jeu, ça reflète ma déception pour les Digimon. J'adore Digimon, hein, je vais pas cracher dessus, j'ai passé des heures à regarder les épisodes, à kiffer quand Patamon, donc le Patamon c'est lui là, une espèce de chose là. Digivolvé en Angemon, donc en Angemon qu'on ne voit pas, mais ce jeu, c'est en fait c'est un Tamagotchi géant. Je vous promets, il faut vous avez un Digimon, il peut évoluer en n'importe quoi quasiment. Mais si par exemple il chie par terre et pas aux chiottes, il se transforme en Crotmon, je sais plus son nom, on dirait une crotte de manga, vous savez, espèce de truc rose là qui fait une espèce de montée comme une crème chantilly, là, ben, ça fait ça. Et ce jeu m'a blasé. Parce que j'avais un Pokémon qui déchirait, puis d'un coup il a chié un peu trop et bouffe. Voilà, il s'est transformé en Crotmon et j'étais blasé. J'ai vu des mecs qui jouaient hyper balèze, faire des trucs de fou dedans. Moi je suis trop mauvais, j'ai pas la patience. En plus, le jeu original est buggé. Je sais plus exactement, mais il y a une scène en fait qui est censée se produire et quand elle se produit, ben, le jeu plante, je crois. Donc, moi j'aime pas fort. Digimon World 2003, là il est mieux celui-là. Moi je le préfère, c'est un RPG en fait. Dans le monde des Digimon. Il y a plus de système Tamagotchi, tout ça. Il est bien mieux, quoi. Vraiment, il est terrible. C'est un peu comme un Pokémon, mais version Digimon, quoi. Je sais plus comment ça fonctionne exactement, mais c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Vagrant Story. Pur RPG aussi. J'ai beaucoup de mal avec ce jeu, parce qu'en fait, c'est un style d'RPG que j'ai beaucoup de mal. C'est, comment dire, l'usure des armes et des armures. Les armures, je sais plus si elles s'usent, mais les armes, j'en suis certain. Le jeu est génial, il paraît. Moi, j'ai pas pu aller très loin à cause de ce système que je n'accroche pas. J'accroche vraiment pas. Mais bon, je le possède. À l'époque, je l'avais trouvé pour que dalle. South Park. Ce jeu, ben, c'est South Park. C'est dans le monde de South Park en 3D. Il est énorme. Il est énorme. Bon, faut aimer South Park, évidemment. C'est terrible. Bon, c'est moche, hein. Franchement, c'est moche. Mais je me suis éclaté dessus quoi. Il est super drôle avec les dindes et tout. Enfin, ça se pissait dessus tellement c'est drôle quoi. Alors attention, ici on arrive Metal Gear Solid, donc le premier sorti sur PlayStation. Oui, je sais, ce n'est pas le premier qui existe, mais c'est le premier sur PlayStation en tout cas. Bah voilà quoi, c'est du Metal Gear, hein. On aime, on n'aime pas. Et alors là, je l'ai pris parce que regardez, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps. C'est aussi Metal Gear Solid, mais je sais pas trop. La boîte est différente, je sais pas pourquoi. À mon avis, c'est un mec qui a fait une compile lui-même ou quoi, je sais pas. Donc je l'ai pris, il coûtait rien. Mais voilà. Attention ici, on continue. Star Wars, épisode 1, Jedi Power Battle. Ce jeu est terrible, il est super bien. Enfin, en tout cas, je me suis éclaté, mais je l'ai trouvé vachement dur, en fait. Il est super, super, super dur. C'est un truc de dingue, quoi. J'arrive pas à le finir, moi. Personnellement, sans cheat, je le finis pas, quoi. Je le finis vraiment pas, quoi. On pouvait choisir son Jedi, il peut évoluer, je crois qu'on gagne de l'expérience, tout ça, enfin... C'était pas mal.
Hop. Grandia. J'étais tombé dessus par hasard, donc j'y ai jamais joué. Il paraît qu'il est terrible. Je peux pas vous le dire. J'irai pas plus loin, je l'ai acheté, je l'ai jamais utilisé, je m'en suis jamais servi, j'ai dû le mettre une fois. Je crois qu'il est génial, je suppose, mais faudrait une fois que j'y m'essaye, il a l'air terrible. Je crois qu'il est terrible parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais pris à l'époque, parce que je m'intéressais beaucoup au RPG à cette époque. Guilty Gear. Lui, je l'ai pris tout simplement parce que j'avais acheté un Guilty Gear, donc vous l'avez vu sur PlayStation 2, et du coup ça m'intéressait de voir un peu ce que c'était sur Play PS1. C'est la même chose. C'est la même chose. Tout simplement. Je suis pas un professionnel de jeu de combat, donc il y a certainement des différences tactiques ou quoi, mais. Le premier Tekken. Attention, ça pique les yeux. Hein. C'est très vilain. Très 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 vilain. Mais bon, c'est Tekken, c'est on aime, on n'aime pas. Hein. C'est le jeu typique du jeu bourrine les boutons et je fais des combos de la mort. Tekken 3, et oui, je n'ai pas Tekken 2, je suis un peu dégoûté. Parce que Tekken 2 il est terrible, mais Tekken 3 il est encore mieux, je trouve. Personnellement, c'est le premier que j'ai eu, Tekken 3 d'ailleurs. Il est terrible. Je me suis éclaté dessus pendant des heures. Il a un mode de dévie, quelque chose là, une espèce de mode d'histoire quoi, où il faut latter des gueules. C'est pas mal. C'est pas mal du tout avec Jijin et compagnie. Siphon Filder, donc un jeu action, action-aventure. Il est terrible, il est vraiment super bien. Le 1, je l'ai pas fini parce qu'en fait, j'ai commencé avec le 2. Bon, voilà, j'ai acheté le 2 en premier. Ouais, c'est bête, mais c'est comme ça. Et en fait, ce sont vraiment des bons jeux. Le 1, un pote l'avait, il m'en parlait comme un fou, donc j'ai fini par l'acheter aussi, quoi. Mais en fait, j'ai acheté ça quand j'ai commencé à avoir la PS2, du coup, j'ai pas eu le temps de m'y intéresser. Bon, le 2, qui était terrible. Surtout, je me rappelle la deuxième mission en infiltration avec la fille, je sais plus son nom. Lui, c'est Gabe Logan, mais la fille, je sais plus. L'infiltration dans l'hôpital, là, je galérais alors que c'était tout bête. Siphon Filter 3, lui je l'ai même pas essayé parce que ben, j'ai pas encore fait le 1 donc et j'ai pas essayé les opus sur PS2 quoi. Alors attention, Soul River Legacy of Kain. Et oui, un pote m'avait donc vendu l'intégralité des Soul River, donc j'avais eu celui-là. Et attention ici, alors ici la boîte, je suis vraiment navré de l'état. Legacy of Kain Blood Omen, donc le tout premier. J'ai juste le jeu et la pochette. Il est particulier, je l'ai essayé en émulation, mais c'est chaud quoi. Ça a un genre à part, je trouve. Faut vraiment aimer quoi. Gran Turismo. J'aime pas du tout les jeux de course, mais je l'ai acheté parce que c'est le premier Gran Turismo quoi. J'ai un ami qui un cousin qui jouait pendant des heures, il savait faire que ça, moi. Ça me blasait ce jeu. Mais bon, on peut quand même lui reconnaître qu'il était bien foutu quoi. Il était vraiment bien foutu. C'est de la simulation, hein. C'est pas du tout arcade. Hein. Sa suite, Gran Turismo 2, que j'ai acheté pour la même raison que le premier. Devil Dice. Jeu de puzzle avec des dés, il fallait faire des combinaisons. C'est assez particulier. En fait, lui, je l'avais eu sur la démo à la base. Il y avait une démo 1 qui était fournie avec la PlayStation, il y avait ce jeu là-dedans. Et du coup, je l'ai acheté par la suite parce que ben, j'aimais bien le jeu, je m'éclatais à résoudre les énigmes avec les dés. Rayman 2, premier Rayman en 3D. Très très bon jeu. Très très bon. Il est vraiment pas mal. J'essaye de me grouiller parce que sinon je vais jamais tenir le truc. Inspecteur Gadget, alors lui je l'ai juste acheté parce que ben, c'est un Inspecteur Gadget et que j'adore Inspecteur Gadget. On ne dit pas de mal d'Inspecteur Gadget. Parce qu'Inspecteur Gadget, ça déchire. Mais pas Gadget et Gadgetinis, ça pue. Les fous du volant, ce jeu-là est énorme. Je suis quasi sûr que mon CD a été défoncé aussi, mais bon, tant pis. Ce jeu est énorme. C'est un jeu de course à la Mario Kart, mais j'adore. Il faut aimer les fous du volant. Personnellement, je suis fan. De toute façon, c'est Lana Barbera, donc je suis fan. Et j'adore. Bomberman World, donc c'est un Bomberman, mais en pseudo 3D. C'est du Bomberman, quoi, moi j'aime bien. Medieval, action-aventure, vous contrôlez un squelette. Bah, je vous dis rien de plus, quoi. C'est vraiment un bon jeu. Bah oui, il m'avait coûté 5 euros. Vraiment un bon jeu, je ne l'ai pas encore terminé, je crois, lui. Je l'ai terminé, lui, et c'est la suite, Medieval 2, que je n'ai pas fini. Lui m'avait coûté 5 euros aussi, quoi.
avec leurs étiquettes à la con, là, on ne peut pas enlever sans défoncer la boîte, mais bon, c'est pas grave. Street Fighter Alpha, lui, je l'avais acheté juste pour la collecte, parce que je l'avais trouvé à moins de 5 € donc je l'avais pris, quoi. Mais je vous avoue que j'ai pas plus essayé que ça, quoi. Les personnages, je suis pas très fan en fait, il n'y a pas beaucoup de persos que je connais dedans, du coup j'ai pas accroché. Hop, Spyro, Year of the Dragon. Ben c'est un Spyro, quoi, on aime, on n'aime pas, ce sont des très bons jeux. Très très bons jeux. Warhammer Dark Omen, lui je l'ai acheté parce qu'il était écrit Warhammer. Je vais pas mentir. Je sais pas du tout si c'est un bon ou un mauvais jeu, j'en sais rien. J'ai vu Warhammer, il me coûtait que dalle, j'ai fait bon. Eh ben on le prend. Ouais, c'est très con, mais c'est comme ça. Oddworld, lui, j'aime pas du tout le jeu. Je crois que c'est Crapal qui fait des let's play dessus, je ne suis plus sûr. Je suis pas très fan, moi, de ce jeu. J'ai regardé quelqu'un y jouer, mais moi, y jouer, je peux pas, quoi. C'est hors de possible. Ils m'énervent trop, en fait. Ils sont lents et bêtes, ça m'énerve. Tintin Objectif Aventure, lui, je l'ai acheté pour l'essayer parce qu'il a l'air terrible. Je n'y ai jamais joué encore. Je l'ai acheté il y a pas si longtemps. Pour essayer. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, parce que j'ai donc le Temple du Soleil, donc je me suis dit pourquoi pas prendre celui sur PlayStation. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, très bon jeu, enfin perso je me suis éclaté dessus pendant des heures. Il est juste chiant, c'est pour obtenir les cartes, c'est long, c'est dur, c'est pénible en fait. Moi je faisais des codes Action Replay pour tout avoir, et puis après là je m'éclatais à faire des combats. Driver 2, le jeu le plus buggé que je connaisse sur PlayStation 1. Je me suis retrouvé un nombre incalculable de fois dans les textures des murs, des sols, la voiture qui s'envole, enfin, le perso qui sort de sa voiture, ok, un peu à la GTA, mais sauf qu'on sait rien faire hors de sa voiture, ça servait à rien, quoi. Vous pouvez s'asseoir sur des bureaux, sur des bancs, mais votre perso, si vous mettiez la caméra sur le côté, on voyait clairement qu'il est assis un mètre devant, quoi. Enfin, c'était ridicule. Ce jeu est... Enfin, moi, je trouve ce jeu nul. Nul, 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 nul. Je l'avais acheté en pensant que c'était comme un GTA, mais c'est trop mauvais. Rascal. Je l'ai acheté parce qu'un pote s'est targué de me dire que ce jeu était très mauvais. Donc je l'ai acheté en espérant qu'un jour je l'essaye. J'ai pas encore joué celui-là. Mais pourquoi pas un jour. Bon, il y a beaucoup de jeux que j'ai pas joué, je suis navré, mais. Crash Bandicoot. Bandicoot, je m'en fous. C'est crash quoi, faut aimer le personnage, mais les jeux sont bien. J'ai un peu de mal au début avec le système de vue à l'arrière, j'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien justement où on va, mais c'est un temps d'adaptation quoi. Et tous les levels ne sont pas comme ça. En plus. Hop. Je crois que c'est le 3, ouais c'est le 3. Crash Bandicoot Warped, c'est le troisième. Bah lui je l'ai acheté pour la collecte, je l'ai pas encore essayé, mais bon, je suppose qu'il est aussi bien que les premiers. Et le dernier, je ne vois pas le titre ici, Jacques Cocoon, peut-être ici on verra mieux. Jacques Cocoon, c'est aussi un RPG, j'ai pas plus joué que ça, mon frère aurait plus à dire que moi là-dessus, il faut contrôler des esprits je crois, et capturer des choses. Il y a plus de 600 décors en haute résolution d'après ce qu'ils mettent, une centaine de créatures, un mode arène. On est le maître des cocons, on doit capturer des bestioles. C'est un peu comme un Pokémon, je suppose, je ne sais pas. Mais il paraît que c'est un bon jeu, donc comme il coûtait que dalle, je l'ai pris. Voilà. J'en ai terminé, donc je sais que j'étais assez vite, je suis passé assez rapidement sur les jeux, mais bon, j'ai pas forcément joué à tous, donc c'était pas évident de. J'ai pas forcément grand chose à dire à chaque fois. Donc voilà, donc la prochaine fois, ce sera peut-être bien. La Game Boy. Ouais, il y a beaucoup de trucs Pokémon. Hein. Ce sera peut-être bien la Game Boy. Et la Game Boy Advance, Color, enfin toutes les Game Boy en fait en même temps, hein, sauf la DS évidemment qui n'est plus une Game Boy. Mais voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, à commenter surtout. Hein, n'hésitez pas, peut-être que vous avez des choses à dire sur certains jeux que je ne connais pas et que donc que j'aurais qui sont bien mais que je ne sais pas. Genre Jet Cocoon par exemple. Enfin voilà, donc sur ce, je vais vous laisser là. Portez-vous bien et je vous dis bien à la prochaine pour la suite de ce let's play. La suite du let's play. Pour un prochain épisode. Bye!